Oui, d'accord. La question, c'est comment t'as réussi à ne pas l'ouvrir, c'est ça? Ouais. Ça va. Ça va. Voilà. Non, c'est du riz soufflé. Il y a plusieurs goûts. Django. Il y en a des verts aussi. Il faut goûter les verts. Voilà. On va goûter. Wasabi. Wasabi. Je suis sûre que c'est wasabi. Wasabi. Chacun prend la caméra à son tour. On va faire la tête des gens. La tête. De chacun. Je suis arrivée. Tiens, goûte en premier. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Allez, goûte. Ça pique? Je sais pas, j'ai jamais goûté en fait. C'est un piège. Ah non, je te jure, j'ai vraiment pas encore testé. Ça se trouve, c'est au matcha. C'est... Non, en fait, normalement, c'est assez doux. C'est des wasabi. C'est à quoi? C'est à quoi? Tu sais pas? Je sais pas, mais je vais prendre. Attends, vas-y, tiens-moi ça. Je suis en train d'arriver. C'est une très jolie réaction d'ailleurs. Tu es en train de filmer? Oui. Oui, ça filme. Vas-y. Mmh. Mmh. Oh, t'es vert. Toi, t'es vert. Eh, c'est marrant. Le premier goût, je l'aime pas, mais le goût, quand il reste dans la bouche, j'aime beaucoup. Mais on dirait qu'il y a du wasabi aussi. Je sais pas. Mais c'est trop bon. Mais c'est trop bon. J'aime bien le goût qui est après. Il est vraiment super. Non, en fait, super c'est bizarre. Bon. On dirait qu'ils ont mis du thé vert et ils ont mis aussi wasabi. Du wasabi. Sinon, il y a ça, c'est shoyu tout simplement. Ça fait sucré salé. Là, normalement, je t'aurais aimé. Tournez la caméra 2 secondes. De rien. Ta réaction, ta réaction, ta réaction. Non, vas-y, mange. Ça y est. La dissidence. Voilà, t'es privé de caméra. Oh, bon. T'es pas en train de te filmer là. Non, c'est trop bon. Vas-y, goûte. J'adore. La modification de... Sinon, il y en a d'autres choses. Il grimace. Oh, il y a une espèce de sucre. Attends, je suis... C'est bizarre. Bizarre. C'est bizarre, attends. C'est fou, c'est japonais. C'est fou, c'est japonais. C'est comme une espèce de sucre, je sais pas si on le voit. Oh, du sucre. Attends, mais je sais pas si c'est du cru de sucre ou du sel pur. Mettre ça en sel, je pense que tu pleures. Mais je suis pas sûre. Non, c'est pas du sel. On va goûter. Tu goûtes en premier. Si tu mets du gros sel comme ça, autant, je pense que tu... Je peux t'en... Ouais, vas-y, comme ça, ça peut être drôle si c'est du sel. Ah! Mon coffre! Bon, forcément. Et du coup, c'est du orange. C'est du sucre. Quoi? C'est du sucre. Non. Nom, 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 nom. Je suis en train de zoomer à fond. x 32 au maximum. Oui. Tu peux retirer ta main, s'il te plaît? Non. S'il te plaît. Non. Pourquoi? Mon pop zoom. Attends, c'était drôle. L'appareil photo a une réaction à cause de toi. Merci. De rien. C'est gratuit. Attends, mais est-ce qu'il y en a un autre pour toi?
Ah, il est trop bon celui-là. Ah oui. Voilà. C'est bizarre, mais c'est trop bon. C'est quoi ces réactions? Bon. Et bah ben voilà pour la question. Moi j'en donnerai aux gens. Ouais, t'as vu? Oui, bah ces réactions, c'est des réactions de. Mais c'est nouveau! Je suis surpris parce que je suis pas allé au Japon, donc moi j'ai pas l'habitude des trucs bizarres. Et justement, c'est bien, mais c'est pas bizarre! C'est trop bon! Le japonais, c'est bizarre, par définition. Tu vas goûter celui-là. Alors. Ketukat. Aux haricots rouges de Hokkaido. Voilà. Et ça se dit pas les haricots, ça se dit pas les haricots, c'est qui les lettré maintenant, hein, hein? Je t'emmerde. Donc en fait on a le droit depuis quelques années en fait. Et ben voilà. 2-3 ans, je sais plus. Non, 3ème. C'est qui 4, t'as l'air tout à fait banal. Les gens veulent manger. Et vu que ces gens qui veulent manger, ce qui 4 devient spécial puisque. Non, ta gueule, il mange. Je peux le signer et il devient. Ça vaudra de l'or plus tard. Tu le manges, tu le vomis, tu le manges. On est d'accord, c'est dégueulasse. Ça a un goût trop bizarre, mais en fait, si tu goûtes bien, ça a le goût de la peau du haricot rouge, j'ai l'impression. Derrière. J'adore comme tu me proposes le truc, tu me fais comme si c'était bon. C'est dégueulasse, hein. Mais en fait, on s'habitue au fur et à mesure. Ah, d'accord. Moi je les offrirais à quelqu'un. D'ailleurs, solennellement, je trouve à la fois que c'est dégueulasse, en même temps j'aime bien. Moi non. Mais c'est dur quand même. Bon. Le premier. Tu veux de l'eau? Ah, j'ai de l'eau, tiens. Non, j'en ai aussi. Ah, j'ai oublié un truc du salé. Des kiddings. Des quoi? Des kiddings. Des kiddings. Alors attends. Il faut pas déconner, c'est avec ça, hein. Garico, jacarico. Et même, tu sais, genre les trucs, c'est des. Voilà, en gros, c'est. Dans ce qu'il y a à manger, il n'y a pas de girafe. Non, j'ai pas compris, je sais pas si j'ai pas compris une blague ou quoi que ce soit. Mais bon. Voilà. Jacarico. Putain, mais venez. Non, mais t'aurais dû demander, je t'aurais dû remplir la bouteille. Ouais, c'est pas une autre. Ouais, j'ai la grande bouteille là pour te remplir. Mais bois, parce que c'est dégueulasse ce truc en fait. Non, le Kit Kat. Ah oui, pour changer de goût. Ouais, pour changer de goût. Attention, panier. Et comme ça, parce que c'est petite frite en fait. Mais tiens. Moi j'adore. Mais en fait ce qui est acide à l'intérieur, c'est la prune. Genre c'est la prune vinaigrée, comme nous on a le cornichon. C'est trop bon. Voilà. Tiens. Tu les veux? Hein? Non. De toute façon ouais, c'est le bouffer toute la journée. Moi j'aimais bien au début et moins à la fin. Ah ouais? Ouais, attends, je vais regoûter si ça t'embête pas. Oh,
blanche dorée. Voilà. Alors ? J'aime bien au début. T'aimes bien au début, mais t'aimes pas à la fin. C'est bizarre. Moi j'adore au début, à la fin, au milieu. Ça change de goût. On va manger ça et ça en même temps. Ça j'aime bien le début, ça j'aime bien la fin. Ça j'aime pas la fin, ça j'aime bien le début. Ah non, c'est l'inverse. Deception. T'as des monoception. I have a bad case of diarrhea. I have a bad case of diarrhea. Ah oui, mon dieu, ça. Alors, maintenant, les Kit Kats au matcha. C'est d'autres trucs dégueulasses ou quoi? Non, ça c'est bon. Enfin, moi j'aime. En tout cas, j'adore. Surtout qu'on ne sent pas vraiment le matcha. Alors, matcha, c'est le thé vert, c'est quand genre, les jeunes feuilles qu'on broie. Ah, cool. Et genre, après, c'est, on l'utilise pour la cérémonie du thé. Et genre, ils l'utilisent aussi pour faire la poudre. C'est ça, là. Ils l'utilisent aussi pour genre faire des gâteaux. Je l'utilise dans les gâteaux et tout. Donc, ça fait quand même un paquet de cigares. Un paquet de cigares. Et bizarre ton paquet de cigares, quand même. Bah, ça fait pas paquet de Kit Kat. Puis des Kit Kat verts. Des Kit Kat verts. Et c'est parce que c'est au matcha. Tiens. Moi j'adore le matcha. Ah, j'espère qu'il est pas trop chaud. T'as pris ça. Ça enregistre depuis le début. Hein? J'ai même mis des morceaux de feuilles à l'intérieur, celui-là. C'est une édition. Une autre édition que celle que j'avais mangée. En même temps, j'ai l'impression de boire de l'eau. Tu sais pas, comme t'as un goût de feuille, j'ai l'impression de boire de l'eau. C'est super, super bon. Mmh. Tiens. Non. Si, si. Non. Si. Non. Si. Non. Prends. Mais de toute façon, moi, je vais pas les manger après. Ça se trouve. Ça se trouve. J'ai pris, mais j'en ai mangé au Japon. J'en ai pris, j'en ai revenu du Japon. Et là, c'est Jean qui m'a. Enfin, je garde la boîte parce que, en fait, c'est Asato qui m'a. C'est Otsuki qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Un autre ami aura peut-être envie de goûter. J'ai pas d'amis. Toi, t'as pas d'amis, tu plaisantes. On y croit, hein. Hein? On y croit, non? Ouais. Ah, ensuite, ça. On va goûter l'eau. Mmh. Attention. Alors. Oh, il a une belle couleur. Ah, t'es gueule. C'est de la pisse de chien. Ah non, j'aime pas ce bruit. Non, oh non. Non. C'est, voilà, censuré. C'est une bonne. On ne le montre pas. Alors, sur ça, on goûte d'abord ça. Qui a l'air assez normal. Enfin, ça brille, mais ça a l'air ça. Tu connais pas mal. Donc, j'ai pas aimé. Soit on écoute d'abord les cookies. Alors, c'est Mikado. Mais en fait, ce que je les ai pris, je trouve intéressant. Parce qu'en fait, le chocolat, c'est pas comme le chocolat chinois. Il est plus amer. Il est moins sucré. Enfin, je veux dire, il a plus le goût de chocolat. Ah. De cacao. Et du coup, c'est super. Tous les paquets japonais sont très, très, très flashy. Ils sont très, très, très beaux. En fait, ils prennent beaucoup soin des emballages. Flashy. Flashy. Non, mais là, c'est parce que, genre, c'est des. Ça c'est parce que c'est tout ce qui est édition spéciale de Kit Kat, c'est parce que c'est genre touristique. Et genre après oui, ils aiment bien les trucs genre qui ont plein de couleurs et tout pour les bonbons. Et voilà. Mais sinon ils sont toujours des emballages assez classe. Donc tu veux quoi? Alors t'as Poki ça, t'as Poki à la fraise, qui sont super bons, et qui sentent super bon. Et t'as. Et c'est tout. Et t'as ça. Je sais pas. Monsieur Watson, vous ne savez pas. Non. Il ne sait pas. Bon, bah. On ne sait pas. Qui? Alors là, bon, on ne va pas le faire parce qu'on est que deux et on aura l'air con, mais il y a le Poki Game en fait aussi. C'est quoi? En gros, merde. C'est fake. Ça fait comme les samouraïs, c'est quoi? Ah merde. Ah merde. J'ai une petite épée qui est prévue. Tiens. Ouais, t'as plus vu amer. C'est plus amer. Mais franchement, je trouve ça meilleur. Je préfère.
En fait, en allant là-bas, je me suis rendu compte à quel point on mangeait sucré ici. Ils ne mettent pas de sucre, genre dans le thé le matin, on n'avait pas de sucre, on mangeait des fruits, on n'avait pas de dessert. Parce qu'on ne mange pas de dessert. Donc à part les trucs qu'elle mettait sur la table, genre les coquilles et tout, mais elle les mettait parce que j'étais là, bah en fait, ils mangeaient pas de sucre, quoi. Ouais, d'accord. Mais qu'est-ce que c'était bon. J'adore. Et donc le Poké Game. Et en fait, le Poké Game, c'est genre... t'as deux personnes qui se mettent chacune au bout du... Bon, là, ça va. Qui se mettent chacune au bout du truc. Et en fait, il faut qu'elles grignotent. Et en fait, c'est celle qui a le plus gros... qui a mangé la plus grosse partie qui a gagné. Non, vas-y. Non, pas en manger. Mais c'est marrant quand genre, t'as plein de monde. Du coup, j'ai des tours. Ouais, ok. Non, ça sent bon. Ça sent fou. Non, ça sent ça. Oui. Ça sent bon. Voilà, moi, j'aime bien. T'as pas honte, t'as pas honte, tu jettes ça. Bref. Mais c'est ça? C'est Otsuki qui me... Ne me demande pas de... Je ne saurais pas lire tous les trucs. Chocoletto. Je sais lire Chocoletto. Isun. Et... Toroi. Toroi. Ri. Su. Risu. In. D'accord. Les japonais et l'anglais, c'est n'importe quoi. Comment on ouvre? Ah, on ouvre là. Tu veux que je l'ouvre? Non, je vais y arriver. Ah, c'est pas comme ça. Non, c'est faux. Ah, d'accord. Ça s'ouvre comme ça. Je me vends. Ah, mais c'est trop mignon. C'est quoi ça? Bravo. C'est bizarre. Ah, mais de la crème à l'intérieur. Ah, c'est bien. Moi, j'aime pas trop la crème à l'intérieur. Dans ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, d'accord, c'est bizarre. Ah, mais c'est du lait. Tu sais ce que c'est? C'est le lait. Sucre concentré. Enfin, tu sais, le lait concentré là qui est vachement sucré, je pense que c'est ça. Pourquoi t'as un peu de vert, toi? Vert? C'est pas vert. C'est transparent. Ah, c'est un peu dégueulasse. Enfin, c'est pas que c'est pas dégueulasse. C'est pas que c'est pas bon, mais c'est bizarre en fait. Je vais en faire un. Oh! Il chante du Nirvana. Quoi cette tête? Quoi, fais-moi ça?
Ta gueule. Pourquoi est-il si méchant? Parce que... Ok. Un petit morceau de fraise. Oh. Je vois ça, mais sans. Ça sent bon. Oui, ça sent bon. Ignore. Si tu laisses ouvert sur ton bureau, t'auras toute ta chambre qui sent la fraise. Ouais. Non, mais au moins, la zone autour de ton bureau sentira la fraise. Je le garantis. Attends, descend pour le pop aussi. Non, pas de photo aujourd'hui. Je ferai une annonce universelle demain. Non. Ne pose ici la vie. Et c'est ton mauvais Dieu. C'est trop bon, hein? Voilà, voilà. On a fait le tour des petits trucs que j'avais sur moi, venus du Japon. J'aurais voulu te faire goûter le mochi, mais ma mère les a jetés à la poubelle. Pourquoi? Parce que la boîte dans laquelle ils étaient, enfin j'avais mis ça dans une boîte en attendant le déménagement, mais la boîte sentait pas bon. Du coup, elle a pensé que c'était le mochi qui sentait pas bon. Du coup, elle a jeté le mochi. Dégoûté. Parce que ça coûtait pas plus rien. Voilà.